Salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Et bien sûr, je serai accompagnée de mon acolyte MrBboy45. Ah, j'ai cru que t'allais dire un petit compliment, mais non, il n'y a pas de... Oui, de mon cher et tendre et beau. Bah, je sais pas, t'aurais pu dire mon acolyte préféré, mon l'homme de ma vie, sans qui je ne serais rien, je sais pas, un truc sympa, tu vois. Mais non, c'est juste un acolyte. On va ouvrir du Destiny radieuse. Ah, t'es dans l'humour toi maintenant. Ah, elle est contente. Drôle, hein, elle est contente. Je me range. On va ouvrir des coffrets effectivement Destiny radieuse. J'en ai ouvert plein et j'ai déjà le full set. On a d'ailleurs même Dracofeu en PSA 10. Mais peut-être qu'en vidéo, un miracle peut se passer, ma petite Sophie. Produire. On ne sait jamais. Donc on va ouvrir les coffrets Destiny radieuse Pikachu. Voilà, avec une Pikachu V promotionnel dedans, un beau Pikachu, et il me fait rire la tête qu'il a, il est tout content. Un beau Pikachu aussi à l'arrière, Pikachu V, une carte Jumbo et surtout 4 boosters. On va s'ouvrir ça, Sophie, donc on n'aura que 8 boosters à ouvrir aujourd'hui. Pour une vidéo, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va ouvrir les coffrets. Hein. Voilà, vous avez déjà vu la plupart de ces coffrets, c'était il y a 2 ans. C'est là où Michou a dû ouvrir des dizaines de milliers d'euros pour avoir un Dracofeu qu'il il a jamais eu. Tellement tard. Ouais. Ah si, mais il a eu tellement tard. C'est infernal. Donc peut-être qu'un miracle peut se passer en 8 boosters. Ça serait d'ailleurs assez indécent. Allez, on va s'ouvrir les coffrets. On se retrouve tout de suite. Les amis, on a donc ouvert les 2 coffrets. Et dans... ces coffrets, il y avait donc 2 cartes Jumbo ainsi que 2 cartes Pikachu. Le gagnant de la précédente vidéo, qui était la présentation des 7, figure sur votre écran et il y aura 2 gagnants. On vous fait gagner cette fois-ci une carte Jumbo et une carte promo Pikachu V. Et il y en a 2, donc 2 gagnants, vous l'aurez compris. Un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et surtout nous, ça nous motive. Et si ça vous fait kiffer, bah, nous, on kiffe de fou. Nous avons 4 arts différents, dont le plus beau forcément, bah là pour le coup c'est Dracofeu, hein, on va pas se mentir, c'est pas parce que c'est Dracofeu qu'on dit que c'est Dracofeu, mais pour le coup c'est Dracofeu le plus beau. Ils sont tous en shiny d'ailleurs. Ils sont tous en shiny parce que c'est le but de Destiny radieuse des Pokémon radieux, soit shiny, beaucoup de shiny à aller chercher, on a donc 8 boosters, présentation du art set, on est parti pour l'ouverture. C'est parti. Allez, on fait un peu de ménage et on s'ouvre tout ça en ordre. Allez, on se retrouve pour l'ouverture de nos 8 boosters. Let's go, Sophie. Le tri, c'est 4. Okay. Ça ne bouge pas. On évite de spoiler. T'as vu, on a l'impression que les boosters sont humides. Oui, ouais. En fait, c'est le papier. Le papier est très bizarre, les amis. Hein. Il n'est pas rigide du tout. Ouais. On a l'impression que c'est humide. C'est très particulier. Évidemment, qu'est-ce qu'on va chercher? Bah, Dracofeu, hein, VMAX Shiny, ce qui serait totalement indécent. Hein. Le Dracofeu de Michou. D'ailleurs, titre putaclic comme ça, ça va nous rapporter du pognon. Non, pas du tout, on n'est pas comme ça, vous nous connaissez. Allez, on est parti pour cette ouverture. Avec un Nigosier, qui est très stylé, le Nigosier. Ouais, j'aime bien, moi, Nigosier. Dresseur d'arène. Blanc coton. Goupilou. Goupilou. Alors, si on a une dinguerie, c'est à la place de la Reverse. Hein. Attention, okay. Hein, donc vas-y doucement vers la fin, hein, c'est très important. Morpeko, qui est très mignon. Brindibou. Mimigal. Hippotrempe. On se spoil un petit peu, Sophie, fais attention. Ah, c'est pas une shiny, dommage. Dommage. Hippotrempe, voilà, version reverse et non reverse. On vous l'avait expliqué dans le full set et master set qu'on vous a présenté. Et Torgamore. Très bien, premier booster, aucun hit, malheureusement. Deuxième booster, on est parti. On vous montre pas les codes parce que nous, on joue beaucoup au TCG en ligne. Je suis désolé, donc on les garde. Chat, je suis désolé. Donc on les garde, c'est pour notre gueule. Allez, c'est parti. Énergie électrique. Électrique. Encore une fois, Sophie a des gants. C'est pour éviter d'abîmer les cartes, c'est pour éviter la sueur. Mais c'est surtout parce que bah, elle a pas fait ses ongles et elle veut pas vous montrer ses mains. Non, puis j'ai les mains abîmées. Voilà, elle a les mains abîmées à cause de son travail. Et donc bah, forcément, c'est un peu dans un piteux état. Nigosier. Craque-noix. Brindibou. Mustéboué. Fabrice Mustéboué. Mimigal. Allez, tout doucement. C'est pas encore la fin. Morpeko. C'est encore bleu. Quel dommage. Encore un. Non, putain, c'est bon. Ça va. Volcanion. J'ai cru que c'était encore le même. Again and again and again. Une et c'est une rare. Smogogo de Gala. Aïe. Destiny Radio, ça régale pas tant que ça. Hein. Attention, ouais. Il faut pas se tromper. Mais très petite collection, hein, d'ailleurs. Hein. Oui.
Elle a combien de cartes ? Que 72 cartes. C'est une très petite collection, c'est une .5. On appelle ça une .5. 151 était vraiment l'exception à la règle, mais sinon, Nigosia encore. La preuve, hein, on a les mêmes depuis tout à l'heure, hein, Blanc-Coton. Blanc-Coton. Bouclier rouillé. Morpeko, on a vraiment les mêmes depuis tout à l'heure, hein, ça bouge pas. Brindibou. Brindibou. Qu'on a déjà eu. Mimiga. Ah bah pour faire un full set là. Ouais. Voilà, bon par contre ça coûte très cher et c'est très dur à trouver. Hein. Hippotrempe. Allez Sophie, fais-nous rêver. Morpeko 2. C'est une shiny. Voilà. Donc ça brille. Oh, et c'est Nigosier en shiny. Alors la particularité justement de Destinée Radieuse, vous l'aurez compris, c'est qu'on y trouve des shiny full art, des full art aussi classiques, mais des shiny, et j'aime beaucoup, qui rappellent un peu les Amazing et tout. Elles sont magnifiques, elles ont la petite texture d'empreinte. Oui. On va essayer de zoomer, on va essayer de vous le montrer, bougez pas. Voilà, elles ont la texture d'empreinte digitale. Voilà, vous le voyez dans l'art. Honnêtement, ça, c'est très très beau. J'espère qu'on en reverra des shiny comme ça. Ça serait. Ouais, parce qu'elles sont cool. Hein. Ouais, ça serait vraiment très 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 cool. Allez, peut-être un autre titre derrière. Ouais. Oh là là, elle nous régale. Oh, Morpeko V. Elle nous régale celle-ci. Yay. Tiens. Allez, dernier booster d'un des coffrets. Eh, plutôt cool. Un booster, deux hits dedans. Ouais, ça rattrape un petit peu, ça rattrape un petit peu. Allez, on est parti. En espérant avoir une dinguerie, ma petite Sophie. Hein. Il faudrait, ça serait bien, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Énergie O. Et Flèche. Ah bah tiens, on l'avait pas. Qui est l'évolution de Brindidou. Brindibou. Blanc-Coton. L'épée rouillée. Wistempo. On l'avait pas non plus. Première fois. Oh bah regarde. Charibari. C'est vrai, des petits nouveaux, ça fait plaisir. Frissoni. On va pas dire à quoi ils ressemblent. Bah non, mais c'est vrai, hein, c'est. Yanma. Ils sont pas compliqués dans son chenille, hein, t'as vu, ils ont inversé les couleurs. Tournicoton, doucement. Oh ! Quelque chose. Sophie. C'est une Sophie, c'est une shiny. Mais il n'y a pas de Dracaufeu dedans. Donc, il y a la VMAX, mais là, c'est une V shiny. Donc, dommage, mais ça va être un beau hit quand même. C'est parti, Sophie. Et c'est Gorythmique en V shiny. T'as peut-être encore un hit derrière, fais attention. Bon, content quand même. Attends, ça reste une shiny. Oui, je hein. regarde. Pas une VMAX shiny, mais ça reste une shiny. Non. Tu peux y aller, non, malheureusement. Oh, c'est Lévi. Qui est très très belle. Hein. Elle aurait mérité même sa petite. Et elle a pareil, elle a les... Évidemment, les empreintes digitales, hein, c'est, les amis, c'est équivalent à une alternative. Ouais, elles sont ça brille de partout, t'en prends plein la gueule, tu te fais une opération des yeux. Devoir faire des comme ça, c'était cool. Hein. Apparemment, il y a des rumeurs qui parlent d'une destinée. Il y avait destinée occulte, à l'époque de Soleil et Lune, destinée radieuse épée bouclier. Il y a des rumeurs qui circulent d'une destinée qui va arriver pour Écarlate et Violette. Ça serait cool. Hein. Ça serait très très cool. Allez, Sophie, avec un peu de chance, ça serait incroyable qu'on et chope l'énergie. Encore oh. une dinguerie. Énergie haut. Épée rouillée. Badabouin. Badabouin, et d'ailleurs, son évolution, bah, c'est Gorythmique, il me semble, non ? Non, il n'a pas d'évolution ? Gorythmique ? Non, je sais pas. Là, non, je sais pas. Ok. Luxio, c'est la première fois qu'on le voit, je crois. Ouais. Yanma, deuxième fois. Mustéboué. Fabrice Mustéboué. Oh, Evoli, qui est magnifique, aurait mérité aussi sa petite holo. Charibari. Attention. Ok, Cacnea. Première fois Cacnea, non ? Ouais, aussi, première fois. Oh. Et ce n'est pas une shiny, malheureusement. Morpeko en reverse. Et ah. Oh, et décidément. Kenve. Ah, je sais qui c'est Sorbet, je sais pas quoi, non ? Ah non, c'est Oui Messire. Oui Messire V. Oui Messire. N'oubliez pas que c'est des séries très difficiles, les .5. Hein. 151, d'ailleurs, est une série en .5. C'est des séries à compléter extrêmement dures, avec beaucoup de shiny, beaucoup de belles choses. Et Pérouillé. Et forcément, ça se mérite hein, si on veut l'intégralité. Motisma. Nigosier. Goupilou. Ah bah tiens, on cherchait son nom quand on avait ouvert du japonais. Donc c'est bien Roublard. Voilà. Je rappelle qu'il y aura deux gagnants dans cette vidéo, dans les commentaires et les j'aime. Craque-moi. Dites-moi aussi si ça vous fait plaisir qu'on ouvre de l'ancien un petit peu. Bon, ça commence à être un peu de l'ancien. On va pas dire vintage, on n'est pas revenu à ce point-là, mais ça commence à devenir de l'ancien. Evoli, attention.
Ils dommage, Crack-Noir Rivers. Et Yann Mega. Dommage. Oh. Ça change, de fou. Hein. Nous, ça nous fait du bien. Hein. Non, parce que 151, on a dû le master setiser. Écarlate et Violette aussi. Donc, De retourner un petit peu à l'ancienne, ça nous fait plaisir. Pour voir les vieilles V et tout ça, c'est cool. Allez, énergie feu. Luxio. Les dresseurs d'arène. Tropius. Mimigal. Fabrice. Charibari. Et... Cacnea, c'est maintenant Sophie. Peut-être une dingue. Non, c'est pas maintenant, c'est juste après. C'est là. Tour c'est juste après. Et non. Gorythmique en version classique. Si, c'était bien l'évolution. Et Torgamo. Aïe, aïe, aïe. Pas de VMAX. Deux V, mais pas de VMAX. Parce qu'il y a des VMAX aussi, je le rappelle. Dans ce set, il y a même des Full Art dresseurs. Voilà. Aucune Full Art. On a eu qu'une Shiny. Attends. Hop. On est parti sur énergie électrique. Allez, énergie électrique. Et flèche. Épée rouillée. Bouclier rouillé. Ah oui, bouclier rouillé. Nigosier. Craque noir. Brindibou. Goupilou. Lixi. Ah, première fois la Lixi, je crois, non? Ouais, on avait l'évolution. Ok, c'est derrière. Cacnea. Attention. Allez, on y croit. Ouh. Oh! Oh, je sais c'est quoi. Ils veulent ta... Non, regarde bien, montre à la caméra de près. Il y a un petit M. Voilà, tu le vois ou pas? Ça s'appelle des cartes magnifiques, mais nous on l'appelle en anglais. On l'appelle Amazing. Et je sais quel Pokémon c'est, je pense que c'est Yveltal. Bah, c'est ce que je viens de dire. Yveltal, voilà. Parce que Yveltal. Tu sais pourquoi je savais que c'était elle? Pourquoi? Parce que j'avais dans mon deck avant. Ah, tu l'avais dans ton deck? Ouais, j'avais dans mon Yveltal, deck. Yveltal en Amazing, qui a été amené dans Voltage éclatant, et c'est des cartes les Amazing magnifiques, très dures d'avoir en PSA 10, ça tombe très bien qu'on l'ait en vidéo, très dur à avoir en PSA 10, pourquoi? Parce que c'est une sorte de splash, un art splash derrière de peinture, si vous regardez bien, même le symbole énergie est holo, un peu, voilà, même le M tout en bas est en holo, toutes les énergies, ouais. Il y a le système un peu splashé du truc. Non, franchement, c'est très très beau. Belle, les Amazing, pareil, on aimerait beaucoup que ça reste. Ah, elle était classe, celle-là, en plus. Hein. Elle était trop forte. Et derrière, malheureusement, pas de hit. C'est un dresseur. Et c'est l'ordre du boss. Lissandre, pour être plus précis, dans le boss choisi de épée et bouclier. Elle est magnifique, ils veulent celle-là. J'aime beaucoup, moi. Pas si dégueu que ça, ça nous permet de vous montrer un petit peu tous les types qu'on peut avoir justement dans Destinée Radieuse, donc ça tombe très très bien. Pour deux coffrets, je suis franchement assez satisfait. On a eu une Amazing, évidemment, Yveltal, qui est magnifique, et ça nous a permis de vous montrer à quoi ressemblaient les Amazing. On a eu une Shiny simple, évidemment, qui était Nigosier, dans une couleur marron dégueulasse. On a eu une Full Art Shiny, évidemment, Gorythmique V. On a aussi eu 2 V. Allez, il nous manque quoi? Il nous manque peut-être une Full Art tout court de dresseur à vous montrer, une VMAX. Ouais. Mais bon, vous savez à quoi ressemblent les VMAX. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, vous avez vu qu'il existe les Amazing et qu'il existe les Shiny de base. Il y en a même qui s'amusent à essayer d'avoir toutes les Shiny. Ils les envoient à grader et ils en font un beau tableau derrière et tout. Oh, et c'est cool, assez beau à regarder. Il y a beaucoup, beaucoup de Shiny. Hein. Il y en a plus de 50, je crois. Du coup, il faut que je te la rende, celle-là. Et non, bah du coup, tu l'utilises ou... Bah non, voilà, j'utilise plus, je peux plus l'utiliser. T'en fais ce que tu veux. Très belle ouverture, ça nous a fait plaisir d'ouvrir un peu d'ancien. Si vous aimez quand on ouvre des petits trucs, quand on va un petit peu dans l'ancien et tout, n'hésitez pas, j'ai des boosters exceptionnels, les amis, à ouvrir. Donc on peut se faire des vidéos de fou. Il suffit que vous nous montriez que vous avez envie de le voir. Et vous le verrez, croyez-moi. On vous fait des gros bisous. Merci Sophie, dernier mot. Ciao. Bye bye.